bonjour, bienvenue. Enchantée, je suis l'assistante de Marine Le Pen. Bienvenue au QG du Front National. Pas de... du mouvement Bleu Marine. Pas de... du bureau de Madame Le Pen. Voilà, j'y arrive plus. On a changé tellement de fois de nom pour brouiller les pistes, je me perds. Venez, je vous fais visiter les locaux. Vous voulez une petite coupette? Non, vous êtes sûr? Mais attendez, les résultats sont pas encore tombés. Ah, attendez, je ferme le bureau de Marine parce que on va pas la déranger, hein. On peut la voir? Non, elle est dans ses dossiers. Venez. Eh ben, je vous en prie, installez-vous, prenez le siège, là. C'est le siège du Parlement européen, elle ne l'utilise jamais. Fillon a dit qu'il rendrait l'argent s'il était élu. Et là, j'ai un journaliste qui veut savoir si nous, on est élu. Est-ce qu'on rend l'argent des tournées? Ben, je sais pas, il est au courant pour combien. Ben, vous venez, on va regarder les résultats ensemble. On est confiants. Mais hein? Attendez, les résultats sont pas encore tombés. Et pourtant, là, Marine a un peu foiré le débat. Elle a été super agressive envers Macron et ses idées. D'ailleurs, c'est ce que je me disais. C'est quand même complètement dingue que ce soit Marine Le Pen qui fasse découvrir aux Français que M. Macron avait un programme, hein. Vous avez vu, M. Macron, il a dit que s'il gagnait, il allait fêter sa victoire au Louvre. Comme ça, Brigitte, elle pourra inviter toutes ses copines momies. 3, 2, 1... Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 60%. Non, c'est pas possible. Mais il a gagné sur toutes les chaînes. Il faut extrader Marine. Dépêche-toi. Tu me réserves un billet d'avion. Dépêche-toi, là, maintenant, là. Marine, il faut y aller, là. Oh, merde, ils arrivent. Qui ça, les migrants? Mais non, pire, les juges. Marine, monte dans la voiture. Et là, vous allez où? Orly. Qu'est-ce que vous allez faire à Orly? Ah bah, je dépose Marine. Macron, il a pas dit qu'il allait expulser Marine Le Pen? Oui, mais elle s'expulse toute seule. Vous pleurez parce qu'elle a perdu les élections? Non, parce qu'elle a perdu son immunité. Mais vous pensiez vraiment qu'elle serait élue? Mais oui! On avait tout, et puis elle a fait le débat, là, et... Non, mais je dis pas ça, c'est pas grave, Marine, mais... C'est vrai que c'était bien parti, mais c'est pas grave. Dans quelques minutes, vous êtes dans les airs, hein. Là, si Marine était passée, c'est les migrants qui seraient à votre place. Ah bah oui. Je peux poser quelques questions à Marine? Non! Quand elle a peur, elle se renferme complètement. Et il serait peut-être temps de faire face à la justice. À la quoi? Eh ben, pour l'instant, on leur fait dos. On verra plus tard pour leur faire face, d'accord? Ah, ça, les journalistes, hein, pour nous emmerder, ça, vous êtes les premiers, hein? Mais elle a dit qu'elle avait rien fait, donc elle a rien à se reprocher. Mais vous y avez cru, vous êtes complètement cons, vous! Bouge-toi! Voilà, de rien, c'est ça. Maigris, pauvre con! C'est pas les juges qui sont dans la voiture de derrière? Non, ça va aller. Là, il se rapproche quand même. Il faut quand même respecter la loi, non? Ah, mais la loi, c'est pour les pauvres. Mais regardez Sarkozy, c'est quand il a plus été président qu'ils l'ont emmerdé avec ses affaires. C'est pas quand il était président. Ça veut dire que François Hollande, là, maintenant qu'il va plus être président, il y a des affaires qui vont sortir sur lui? Mais non! Mais c'est pour ça qu'il a placé Macron. Vous savez ce qu'on dit, c'est des gagnants qui font l'histoire, hein. Marine, je viens d'avoir Pénélope et François, ils sont dans l'avion aussi, hein. Et ils sont tous dans le même avion? Et là, il part où l'avion avec Marine Le Pen dedans? Ah là, il va au Sénégal. Oh merde. Remarque comme ça, bon, elle apprendra peut-être à les aimer.